Cléassim, entrée du journal 47. Ouais, déjà, entrée 47. Bon, j'ai réussi à réunir tout ce qu'il me fallait. Maintenant, il faut que j'aille vers le constructeur de vaisseau et je pense le ramener jusqu'ici. Je serai proche, certes, loin de ma base principale et j'aurai peut-être du mal à ramener tous les poissons que je veux ramener pour les étudier. Sur la planète où je pourrais me retirer. Voilà, si Altera veut bien effacer ma dette colossale que je leur dois. En tout cas, ce serait pas mal. Maintenant, il me reste plus que ça pour pouvoir m'en sortir. Malheureusement, avec un vaisseau détruit, je pense pas qu'il m'accueille forcément en héros. Mais en tout cas, il y a des bases pour des futures explorations ici, même si l'endroit n'est pas forcément très hospitalier. Le fait que j'ai pu survivre aussi longtemps et que on puisse construire autant de bases et qu'il y ait tant de ressources, ça pourrait être une source de revenus. Mais je dois protéger les empereurs des mers qui sont trop petits pour l'instant et qui ne pourront pas se défendre. Donc je pense que dans un premier temps, je vais juste taire. Oui, c'est ça, hein. Il faudrait que je construise, mais il faut que je le retire. Pas là à la place. Ah, mon inventaire est trop rempli. Ça n'est pas très grave. Je dois pouvoir poser et quelques objets dont je n'ai pas besoin. Et au besoin, je viendrai chercher ici les choses importantes. Vers la base numéro 3, comme ça c'est l'endroit où j'ai le plus d'espace pour être sûr que la fusée puisse se construire et partir. Je préfère m'assurer un départ et au besoin de désactiver à nouveau la tourelle, même si maintenant elle semble désactivée. Et je vais surveiller aussi le fait que je ne sois pas malade avant de partir. Pour éviter de contaminer le fait de savoir qu'il y a eu des milliards de morts à cause de cette foutue bactérie, qui a failli causer la mienne d'ailleurs, et qui a causé la mort du Degassi et de l'Aurora. Je préfère assurer et être sûr de pouvoir revenir en vie, plutôt que de me faire dézinguer comme le Sunbeam. Que je devrais avoir une place assez importante ici.
Allez. Plus en profondeur. Qu'est-ce qu'ils entendent par plus en profondeur? Plus de là-bas peut-être. Allez. Allez, dis-moi que tu as assez. Voyons voir. Cette fameuse baie. Simplement gigantesque. Si beau et si gigantesque. Comment un tout petit machin comme ça peut construire un truc aussi gros? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il me faut pour construire tout ça maintenant? Du plastacier, du cuivre et du lubrifiant. Le plastacier, je dois pouvoir le fabriquer, je dois même l'avoir, je pense. Le lubrifiant, ça sera facile. Et le cuivre... Est-ce que j'ai du plastacier ici? Bien. Donc, il me suffira de récupérer de quoi faire cette fameuse rampe de lancement. Je dois avoir... quelques ressources par ici. Vu qu'il y a des rôdeurs, il doit y avoir du... de quoi accumuler quelques éléments comme celui-ci. De ne pas me prendre pour ton repas. Il faut que je trouve quelques éléments pour le cube, mais je crois que j'en ai dans le prône en plus. Je me demande si j'en ai pas dans le prône. En voilà un. Cette la planète est tellement riche en ressources que trouver du minerai n'est pas la chose la plus compliquée qui soit, bien au contraire. Je crois que je vais être obligé de récupérer tout ce qui peut passer, qui peut être une ressource. Non, ça c'est du titane. Je ne l'ai pas pris? Si, je l'ai bien pris. Thank you.
que je fasse attention, il y a un Léviathan ici, il y a un faucheur. Dans le coin. Qu'il ne se soit calmé, qu'il ne soit parti, mais je n'y crois pas beaucoup. Je trouve pas ce foutu cuivre. Il semble qu'il y en a dans le trône, donc autant regarder, m'en assurer. Non, c'est bon. À partir de là, je devrais pouvoir m'en sortir. Je vais fabriquer le lingot de plastacier. Quasiment du lithium, il m'en faut deux. Heureusement, je suis près d'une caverne remplie de lithium au besoin. J'ai quand même quelques ressources là en bas d'or, etc. pour du plomb ici. De non, de l'argent. De l'or, je crois, aussi un peu plus loin. En attendant, il me faut faire le lubrifiant et je pourrais construire la fameuse rampe de lancement. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti, les gars. On est encore loin d'avoir toute la fusée, mais... Tant que le canon là-bas ne se réveille pas, je sais que je pourrais construire tranquillement. Du nickel, kit de câblage, lingot de plastacier et de l'aérogel. L'aérogel. Je sais que j'en ai. Je peux en faire à partir de la base. Puisque j'en ai fait la production sur ma première base. Et j'ai du rubis, il me semble. M'en sortir, je pense. Allez.
passons déjà par le plastacier. Ça veut dire qu'il faudra que je retourne dans les profondeurs. Kit de câblage. Par là-bas, là-bas. Que je peux m'en sortir. Il faut que je regarde si le prône a du nickel sur lui ou si j'en ai. J'ai du nickel à la base principale. Qui va me manquer peut-être, ce sera le rubis pour pouvoir faire de l'aérogel. Mais aussi bien j'irai chercher le cyclope, même si ça me fait passer par les dragons des mers. Si je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Je sais que je pourrais trouver du rubis facilement par là-bas. J'ai quelques sacs ici. Mais il faut que je m'assure d'avoir du rubis. J'ai les 3 de nickel. Deux rubis et je peux prendre deux aérogels. Je n'ai pas besoin d'autant, mais je préfère assurer. Fusée est indiquée déjà. Pourtant elle est si longue à construire. Ouais, roar, pareil. Moi je me casse. Toi tu resteras sur cette planète. À te nourrir de petits poissons et à nourrir les Léviathans. J'espère juste qu'il faudra pas de cette pierre bleue qui est au fond des grottes. J'en ai récupéré plusieurs, mais je pense pas en avoir ramené avec moi et ça veut dire qu'il faut que je revienne avec le cyclope. Ce qui ne sera pas une mince affaire.
place d'acier de câblage. Espérant qu'il n'y ait pas d'autres constructions. Ouais, une heure seulement. Il faudra construire le reste de la fusée, malheureusement. Je dois certainement faire l'habitacle également. Pour une petite fusée, elle est plutôt immense. On dirait l'Aurora en un petit peu plus petit. Et je dois construire une batterie ionique, forcément. Avec du distène et du soufre cristallin. Et du lingot de plastacier. C'était trop simple. Hein. Beaucoup trop simple. Et il me faut 2 piles ioniques, 4 piles ioniques. Il faudra 4 cubes. De l'or, de l'argent. Du caoutchouc, du distène, du soufre et mon lingot de plastacier. J'ai bien travaillé pour le moment, je pense que je peux aller me reposer un petit peu et je continuerai la construction une prochaine fois. Car oh, quoique, je vais. J'ai encore un peu d'énergie, ça me donne de l'énergie, tout ça. Il faut que j'aille jusque. Jusqu'au cyclope ou. En tout cas, je sais que je peux récupérer des cubes ioniques pour pouvoir faire facilement des piles. Il me manquera certes que le caoutchouc, mais allez, je peux aller voir une dernière fois le Léviathan, cette impératrice qui m'a sauvé. La remercier maintenant. Je me dois de la remercier d'ailleurs pour tout ce qu'il faut. Où est la base? Juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ressource? Non. Allez, allons jusqu'au portail. Encore une fois de ces fameuses enzymes concentrées. Les petits ont dû partir vers les hauts fonds et j'espère qu'ils sont vivants. Et moi, je vais rencontrer leur mère à nouveau. Décédé.
Merci à toi en tout cas. Malgré tout ce que tu as fait, c'est vraiment un animal magnifique. C'est dommage que les aliens aient tant voulu la contrôler, la détruire. Je pense que je vais passer un peu de temps avec elle avant de rejoindre le Cyclope. Histoire qu'elle puisse ne pas passer ses derniers instants tout seul. Ordinateur, out.